top, c'était l'arrivée de Dévoilez-vous, troisième en classe Moka de la Transat 2017. Allez, bonne vie, merci, hein. Merci. Bravo, merci. Bien joué. Bah mine de rien, on est arrivé un petit peu tardivement quand même dans cette préparation de Transat Jacques Vabre. Donc on a essayé de faire les choses le mieux possible avec les conditions qu'on avait au démarrage. Et je pense qu'on a fait les choses pas trop mal. Déjà de pouvoir être à l'arrivée, c'est une bonne chose. De pouvoir avoir vécu une Transat humainement aussi forte que celle-là, c'en est une autre. C'est peut-être même d'ailleurs celle qui est la plus importante. Et puis après, bah, troisième, c'est un super résultat. Troisième derrière deux super concurrents, ça fait plaisir. On a raté quelques petits coups météo qui nous ont mis un peu dedans au départ, mais voilà, on a fait ce qu'on a pu pour rattraper. Je pense qu'on finit honorablement, ouais, carrément. On a réussi à barrer beaucoup, enfin à pousser le bateau quand même quand il fallait, fort je pense, et avec toujours un petit pied de pilote, mais on a maintenu ce rythme assez longtemps et je trouve ça, moi, c'était un peu une première pour moi de maintenir un rythme comme ça. Et donc j'ai beaucoup appris, je suis hyper content d'avoir fait cette transat avec Morgan. En fait, on dit souvent quand on est marin qu'on apprécie les choses une fois qu'on est rentré à terre et qu'on prend le temps de prendre du recul dessus. Et ben pour cette transat, je pense que le plaisir, on l'a pris sur l'eau, quoi. Et ça, c'est quand même fort. Ça veut dire qu'en prenant du recul, on va trouver ça magique, quoi. Non, c'était sympa, c'était top. J'ai eu la chance ici de gagner, de faire second souvent, on était toujours bien. Donc la Caipirinha passe mieux quand on est devant. Donc j'ai que effectivement des bons souvenirs parce que nos courses, c'est quand même bon quand ça s'arrête, tu vois. Et s'arrêter ici, c'est pas mal du tout.